Je suis très très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais très bien, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas posté, mais en fait j'étais archi occupée, vraiment j'avais plein de trucs à faire, j'ai vraiment pas trouvé le temps, donc je m'en excuse. Mais là je reviens aujourd'hui avec une vidéo Shein, donc vous montrer un petit peu les dernières choses que j'ai pu avoir sur le site. Donc comme toujours, je vous mets le lien du site, le lien de tous les articles ainsi que le lien Alors je vous disais, je vous mettrai le lien du site ainsi que le lien de tous les articles et le code promo bien entendu en barre d'information. On commence tout de suite, on perd pas plus de temps. Donc vous allez voir, j'ai pris des trucs divers, donc vraiment j'espère que j'ai tous les articles parce que ça fait un moment que j'ai tout ça ici, mais vu que j'avais pas le temps pour filmer, donc voilà, j'espère que j'ai quand même un bon nombre d'articles. En premier lieu, j'ai pris un jean noir, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un petit jean très très sympa avec donc le bas effiloché. J'espère que vous voyez bien parce que je filme le soir, sinon vraiment le matin j'avais vraiment pas la possibilité de filmer. Donc j'espère que vous voyez très bien. Donc ce jean est disponible dans plusieurs couleurs. Je l'avais déjà en bleu, je l'ai pris en noir. Donc vraiment très très beau jean. J'ai eu des compliments d'ailleurs en le portant. Il est super et il taille très bien. Bon, il taille un peu, j'ai l'impression, un poil grand par rapport au bleu que j'ai. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Il fait une très belle taille. Il est très confortable aussi. Donc voilà, je vous mettrai les liens, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez voir même les photos, etc. Mais en tout cas, si vous voulez un jean noir assez un petit peu, bah, fait un peu loose un peu. Je vous le conseille. Il est vraiment très très beau. Ensuite, alors, vous allez voir, j'ai pris pas mal de trucs pour la pâtisserie, mais on va déjà continuer avec les accessoires mode et ensuite on passe à ça. Donc j'ai pris ensuite une petite casquette avec marqué Los Angeles dessus, petite casquette un petit peu gris foncé comme ça, très jolie, très simple mais vraiment efficace. Et ensuite, côté accessoires mode, j'ai pris des petites boucles. C'était un pack en fait de boucles d'oreilles. Je vais vous en montrer. Donc on a, j'espère que vous voyez bien parce qu'en fait, il y a peut-être un peu trop de lumière. Mais vous voyez, on a cet effet. On a ensuite donc celle-ci qui est assez simple. Enfin, pas sans la petite breloque. J'espère que vous voyez très bien. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci aussi. Petit peu bleu et tout. Vraiment, excusez-moi pour la lumière, mais je pouvais pas faire mieux en fait. Et on a une aussi qui est beaucoup plus petite. En fait, c'est un pack de 4 ou 5 paires et vraiment très sympa, je trouve. Et je les ai portées très souvent et elles sont vraiment très jolies. Et ils ne bougent pas, donc bon, après, bien sûr, je me lave pas avec, etc. On est d'accord, c'est pas une qualité de ouf, mais ça fait l'affaire. Ensuite, en ce qui concerne, donc je me mets ici pour pouvoir vous montrer les articles par là. Les autres accessoires, donc déjà. J'ai pris une coque, je vais vous montrer, pour mon téléphone. Donc voilà, petite coque comme ceci. Je la trouvais très sympa, violette comme ça, avec des petites paillettes en bas. Vraiment très sympa. Bon, après, ils ont beaucoup de très très belles coques en fait. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. Et avec, je vais vous montrer. Avec, vous avez donc, vous savez, ces petits trucs comme ça qui s'accrochent au niveau du téléphone, vraiment violet comme ça. Donc, je la trouvais très sympa. Et vous avez ça, ce petit cœur aussi que vous pouvez coller également derrière la coque. Donc, vraiment très sympa. Et je trouvais que c'était en fait un très joli assortiment. Donc, voilà. Ensuite, alors là, on va passer vraiment pour tout ce qui est pâtisserie. Bon, déjà, j'ai pris une poche à douille. Enfin, j'en ai pris plein. Donc, j'ai pris celle-là qui est bleue. Donc, qui est assez costaud. Voilà. Et j'ai pris ces poches à douille comme ceci, qui sont jetables, il me semble. Donc, c'est vraiment un pack avec, je ne sais pas combien il y a dedans. Il doit y avoir une vingtaine ou une quinzaine dedans. Donc, voilà. Petite poche à douille comme ça. Donc, ça, c'est toujours pratique. Toujours nécessaire. Ensuite, j'ai pris des spatules. Donc, j'ai pris celle-ci. Il me semble que c'était un lot de spatules. Donc, j'ai pris celle-ci en taille S. Voilà, je vous la montre. Comme ceci. Et j'ai pris celle-là qui est du coup plus grande. Et c'est la taille XL. Je ne sais plus si c'était un lot ou je pense que c'est à vous de choisir les tailles.
Donc voilà, dans tous les cas, vous trouverez le lien en barre d'infos. Ensuite, toujours avec donc les poches à douille, il y avait ces, vous savez, ces petits embouts comme ça. Donc, moi, j'ai pas vraiment les termes de pâtisserie, donc je vous dis, enfin voilà, je parle un peu vulgairement, on va dire. Mais les personnes qui s'y connaissent sauront ce que c'est. Et ensuite, j'ai pris aussi ces packs de douille. Donc, vous avez plusieurs douilles à l'intérieur. Donc, je vais pas les. Quoique, je vais vous montrer quelques-unes. Mais vraiment, vous avez plusieurs modèles de douilles, des modèles assez classiques, mais vous avez aussi des modèles un peu plus originaux. Donc voilà, vous avez vraiment, par exemple, justement, là, on a des petites étoiles et tout. Justement, ce pack-là que je voulais vous montrer, c'est vraiment un pack avec que des modèles assez originaux et tout, des petites étoiles et tout. Donc voilà. Et vous avez donc, c'est un pack qui s'achète et c'est vraiment très très bien parce que c'est des modèles que personnellement je ne trouve pas, en tout cas je ne trouve pas facilement, donc je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite j'ai pris aussi ces petits moules comme ça pour réaliser vraiment des petites décorations et tout. Donc on a ce modèle-ci, comme je vous ai dit, je vous mets le lien, vous verrez vraiment mieux. Et on a aussi ce modèle avec des fleurs, donc un modèle un petit peu plus classique. Donc par exemple pour tout ce qui est pâte à sucre, je pense aussi même au chocolat, ça peut le faire je pense. Donc voilà, ça peut être vraiment très sympa, des petites fleurs et tout. J'ai beaucoup aimé celui-ci avec les fleurs pour décorer, c'est vraiment très sympa. Et ensuite l'avant-dernier article que je vais vous montrer, c'est ce petit moule. Donc j'ai pris vraiment un petit moule carré avec un petit design à l'intérieur. Donc voilà, ça aussi pour, je pense que pour les gâteaux glacés ça peut être pas mal. C'est un moule qui n'est pas super grand, donc comparé à ma main, voilà, il n'est pas très très grand. J'ai pas non plus, enfin j'ai des petites mains, donc il n'est pas très grand, mais vraiment il est compact, il est très bien. Donc voilà, en silicone. Et ensuite le dernier article que j'ai pris, toujours dans la pâtisserie, c'est tout simplement ce pack avec donc trois pièces. C'est des, vous savez, c'est des moules comme ça, enfin pas des moules mais des disques, je pense que ça s'appelle comme ça. Et vous avez donc trois pièces, donc trois tailles à l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert, mais je vous montre comme ça. Donc voilà. Et c'est en métal. Après, je connais pas trop la qualité. Je pense pas que ça va être une qualité non plus de dingue. Mais pour faire l'affaire, pourquoi pas, pour des petits gâteaux de temps à autre, je pense que ça servira, ça fera l'affaire. Donc voilà pour ma commande Shein. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, vous trouverez tous les liens. Mais sachez que je suis ravie de tous les articles, honnêtement. Pour l'instant, vraiment, aucun défaut, aucun problème. Donc je vous rappelle que les liens sont en barre d'infos, le lien du site aussi et aussi le code promo. N'hésitez pas à l'utiliser parce que ça vous fera une réduction supplémentaire sur le site. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine, très prochainement. Au revoir.